Cette vidéo que vous êtes en train de regarder là est une scène qui s'est passée en Allemagne. Et il paraît que c'est un frère camerounais qui a perdu sa life dans une simple discussion de parking. D'autres ont parlé d'un arabe, mais il paraît que c'est un turc. Donc, voilà un frère camerounais qui vient de perdre sa life juste pour une simple discussion. Avant de vous donner les raisons et de vous détailler la scène, je voudrais rappeler à mes frères, que ce soit noir, je ne sais pas trop. Vous savez, dans la vie, chaque scène de vie doit nous édifier. Nous devons tirer des leçons pour chaque situation de vie. La vie est tellement courte. La seule chose que nous avons, c'est ce simple souffle-ci. Parce que quand, si on t'arrache, on dit qu'on est fort, on est Francis Ngannou, machin. Ce n'est que le souffle-là. Le reste-là, c'est le muscle, c'est le corps, c'est la chair. Le souffle-ci, c'est facile de le perdre. Alors, il paraît donc que le frère est arrivé. Il voulait garer sa voiture. Les deux avaient le tuc. Il voulait garer sa voiture. Il y avait juste un seul parking. Les gars se sont mis à discuter. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Ou bien il y a eu les éclats de voix, les échanges de mots durs. Le turc a donc sorti son... et envoyé dans le ventre. Comme vous voyez le frère couché là. Le saignement, saignement. Il n'a pas supporté. Et paix sa life. Dans cette vidéo, j'ai suivi les gens parler de... Je ne veux pas prononcer le mot parce que je ne veux pas que ma vidéo soit sanctionnée. La couleur de peau. En fait, quand je parle de la couleur de peau, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, j'ai vu des gens dire que non, c'est parce que justement l'autre était noir, l'autre était white et tout. Donc, et il y a toujours ce problème entre black et white là-bas. Mais ce que je voudrais un peu rappeler à certains, c'est pas forcément, je ne dis pas que c'est faux, mais c'est pas forcément une histoire de black et white. C'est white, entre les black et les white. Parce que j'ai vécu une scène pareille ici à Yaoundé avec mon propre frère camerounais. Nous arrivons à Yaffé. J'arrive à Yaffé avec les enfants. On est en train de chercher un endroit pour manger. Vous savez, parfois, il y a fait saturé. On fouille jusqu'à on trouve. Il y avait plusieurs stands. On trouve l'autre. On passe à soi. Il n'y avait pas assez de chaises aussi. Parce qu'on a même bagarré pour avoir les chaises. Aller supplier là-bas, demander, fouiller. J'ai rassemblé les chaises. Mes enfants sont assis, mon épouse et moi. Après, j'ai envoyé mon épouse aller acheter à manger. Maintenant, je suis resté avec les enfants. Je me suis levé maintenant pour aller me mettre à l'aise aux toilettes. Quand je me lève, il y a deux chaises de vie dedans pour mon épouse et moi. Maintenant, un autre couple arrive. Ils ont un problème de chaise. Le monsieur a trouvé une chaise. Il reste encore une chaise. Il porte ma chaise. Il donne à sa femme. Quand je rentre, je constate qu'il y a une seule chaise, la chaise de ma femme qui reste. Je vais m'asseoir. L'enfant me dit que tonton l'a porté ta chaise pour donner à tantine. Je demande à la femme que, mais maman, comment vous pouvez trouver une table avec les chaises? Il y a le jus devant la chaise, c'est-à-dire que quelqu'un est là. La dame ne me gère même pas. Il dit au monsieur, le monsieur me dit, mon ami, il n'a trouvé personne sur la chaise, pardon, fiche au camp. Ça m'a d'abord chopé, il dit que, mais mon frère, et toi tu me réponds comme ça par rapport à quoi? Là, il me dit, tu sais qui je suis? Il dit, ah, vous connaissez le répondant aussi. Laisse-moi les petits mots de Yaoundé là. Tu es qui, dis donc? Madame, remettez-moi la chaise. Comment on parle là? Le gars se lève. Il s'approche vers moi. Il dit, ouvre encore ta bouche. Je te montre qui je suis alors. Gars, moi, je sais que c'est qui. Il dit que, montre. C'est comme ça que je réponds. Sinon, gars, il veut pas aussi me laisser. Montre. Le gars voit la main derrière, il tire le gon. C'était comme ça, un nien. Il ne veut pas donner son corps, il ne veut pas de polémique. C'était un nien. Il tire le gon, va.
Il veut frapper le bas du gant là sur ma tête. J'ai esquivé comme ça, ça a frôlé un peu ma tête comme ça. Donc, le bas du gant là, ça m'en frôle un peu. J'ai eu mal à la tête pendant 2 mois. Imaginez donc s'il avait réussi à frapper vraiment comme l'intention. Il avait frappé le gant là sur ma tête. Je m'évanouis, je pouvais même d'ailleurs aussi. Donc, c'est juste, c'est même pas un problème de what et black. Pas un problème des white et des blacks. C'est juste que, gars, l'être humain est comme ça. Pour un simple ring comme ça, là, on peut te ôter la life. C'est ça, il dit que chaque scène de vie, gars, nous devons tirer une leçon. En même temps qu'il a fait ça, les autres, ses collègues, niaient la sécurité. On est venu l'attraper, go derrière, négocier, machin. Après, il est venu encore s'asseoir à côté. Moi, il voulait même go. Maintenant, elle dit que, bon, comme on est sorti avec les enfants, on a les problèmes. Bon, on se enlève maintenant, on va aller s'asseoir où? Comme j'aime les acheter la nourriture, les enfants mangent, ils ont bu et tout. Moi, là, je n'avais même plus la coutume. Ma chambre est restée devant moi comme ça. Ils disaient, mais, donc c'est comme ça que quelqu'un devait être juste pour sa bouche, c'est là que tu es qui. Donc vous comprenez, il y a des circonstances dans la vie. Que, gars, parfois, on dit que mieux vaut un lâche vivant que 100 euros mort. Oui, que parfois, il faut te laisser faire. Que de faire certains bruits, quand tu sens déjà que la tension, la grenadine monte trop, laisse tomber. J'ai retenu cette leçon-là ce jour. Donc, quand j'arrive au point, quand il y a un peu à trop de décision, je dis comme, ok, gars, ça va, tu es fort. Je te laisse. Donc, le boy ici aussi pouvait sentir déjà que ça tournait au vinaigre. Il laisse le parking. Il dit, ok, papa, gars, allons là-bas. Voilà, il paie sa life, son véhicule est même là, même le parking même. Il paie. Et vous voyez le monsieur, tant, après avoir commis l'acte, il voulait fuir. Donc, ce sont nos propres frères camerounais encore qui l'ont empêché de fuir jusqu'à la police est venue le attraper comme ça. Donc, les amis, vraiment, faisons très attention. Les discussions bizarres qui nous apportent rien là. Quand tu sens que c'est déjà un jar, gars, baisse la garde, laisse tomber. Donc, c'est juste la simple leçon que je voulais passer derrière cette scène. Nous avons vécu, paix à son âme, vraiment, c'est méchant. Et ainsi va la vie. Dans la vie, il y a toujours les bons et les méchants. On ne peut rien. Ciao. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couvert, tapis rouge, 2 chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau. Sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.